Ce 13 octobre, nous serons amenés une nouvelle fois à nous rendre au bureau de vote pour les élections communales et provinciales. Tu le sais peut-être, mais tous les 6 ans, nous votons pour élire les membres des 10 conseils provinciaux et les membres des conseils communaux. Attention, en région bruxelloise, il n'y a pas d'élections provinciales, uniquement les élections communales. La commune est l'échelon politique le plus proche de la population et mène plusieurs missions. Les missions obligatoires comme l'organisation et le cofinancement du CPAS, l'organisation des voiries communales, le maintien de l'ordre et bien d'autres que je t'expliquerai dans une prochaine vidéo spécialement dédiée à ces élections. Les provinces, elles, ont des missions concernant l'enseignement et la santé. Par exemple. Tu recevras donc ta convocation pour aller voter dans les semaines précédant le jour de l'élection. On rappelle que le vote est obligatoire si tu as 18 ans ou plus, et si tu n'es pas dispo le jour du vote, tu peux faire ce qu'on appelle un vote par procuration en demandant à quelqu'un que tu connais d'aller voter pour toi grâce à un formulaire que tu peux remplir en ligne. Les raisons valables pour un vote par procuration sont les suivantes. Si toi ou un de tes proches est malade et que tu ne peux pas te déplacer pour aller voter, dans ce cas, il te faudra un certif d'un médecin. Si tu es à l'étranger, et dans ce cas, il te faudra une preuve de réservation ou un titre de transport, et sinon, une déclaration sur l'honneur. Si tu travailles ou que tu étudies, il te faudra alors une attestation de ton employeur ou de ton établissement scolaire. Et finalement, si tu es privé de liberté. Attention, la personne qui votera à ta place devra aller dans ton bureau de vote et ne peut détenir qu'une seule procuration. Et donc, si tu ne comprends pas trop la politique belge, on a prévu plein de vidéos pour t'expliquer ces élections, alors abonne-toi. Et en attendant, si t'as d'autres questions que tu veux plus d'infos, on se retrouve sur bruxelj.be.